Oh, ouais. Bon, ben, c'est un fail. Non. Ben, ma dette était branchée, mais pas sur mon ordi. Fait qu'il faut que j'en lance le jeu. C'est quand même con, pourquoi le jeu, genre, il fait pas. Hey! Y'a quelque chose qui vient d'apparaître sur l'ordinateur, genre. Je vais essayer de l'utiliser. Ouais, c'est qu'en 2003, ils savaient comment faire, genre. Bon, fait que voilà. J'ai envie de me placer pour être confortable. Voilà. Ok. Bon ben, ce sera pas long, hein, le jeu a crash. Non, c'est la première fois qu'il me fait ça. Voilà, on recommence. Bon, allez là. Ça va, je vais terminer le jeu. En plus, vu que je connais le jeu puis que je suis gentil, tu sais qu'est-ce que je fais aussi? I show you the secret. Ouais, I show you the way. Ok. Est-ce que je l'ai dit? Ok. Attends une minute. Je l'ai pas. Je l'ai. Avant que je le tue, j'ai réussi à taper la cage. Non mais stupide. Et voilà, le magnifique pouvoir de la grimace. En fait, ce pouvoir-là est stupide. Tu sais, on a dit l'autre jour que c'était stupide le fait que Rayman fait une grimace. Mais, tu veux que je te dise? C'est pas stupide, en fait. Parce que le personnage, au début, avait déjà ce move-là. Dans le premier, là, il faisait déjà la grimace. Oh, shit. Ben dans celle-là ça tue, mais je sais pas si dans le, je me souviens pas si dans le premier ça le fait. Oh shit. Ok, l'objectif ici, puis je suis un peu de couille là, c'est de rattraper Globox. Parce que Globox est en train de faire une chute. Ok, fuck. La musique est vraiment bonne ici. Mais j'arrête.
Oh, attends, je fais des points en faisant des tricks? Je savais même pas. Il faut mettre le chauffage. Ok. Tu peux pas mettre le chauffage. Bon, ça y est, c'est réussi. Je pense que c'est ma tune préférée dans Mega Man 3 ce qu'on entend en ce moment là. Quoi ça? Ah ouais? Comme ça t'as un bug d'affichage. C'est peut-être un bug du jeu, genre connu. Genre je dois pas être seul à voir ça. Yes. Me voilà dans la base des méchants, avec une cinématique qui a mal vieilli. Ouais. Ouais, ben ça c'est le Better Man qui fait ça là. Par là, j'en suis sûr. Je l'ai eu en moi si longtemps que je peux encore le sentir. Puis c'est quoi qui reste face si là qu'elle passe 16-9? Jolie mademoiselle, j'aimerais bien lui dire bonjour. Oh, ok, ouais. Alors qu'il aurait pu. Il aurait pu faire quoi? Il tirait l'image? Ouais, j'avoue. Moi, je les enlève habituellement. Ah ouais, non. Ça dépend du ce que je regarde là, ce que j'essaie de. Oh shit, c'est sérieux là? Vitreman, c'est pas poli de faire attendre une dame.
Ouais, mais non, mais tu sais que la madame c'est une méchante, genre, espèce d'imbécile, genre. Crie-moi qu'on va la faire attendre. Oh fuck. C'est violent ça. Ah, on me voit plus. What the fuck? Dédé est par là, j'en suis sûr. Je l'ai eu en moi si longtemps que je peux encore le sentir. Ok, fuck. Ouais, je me suis fait game over parce que j'ai fait de quoi de stupide. Ok, on vient d'avoir la confirmation que genre il est vraiment sur une autre planète puis qu'il Rayman est beaucoup plus endurant que la majorité des gens. Parce qu'il vient de dire la température, il vient d'en dire la température extérieure, il fait moins 52 dehors. Un humain pourrait pas survivre sur la planète de Rayman. Si bien sûr Rayman existait. On arrive. Pète glout Rayman, dépêche-toi. Ouais. Ok. Mais on risque d'avoir des enjeux. Ah, parce que là j'ai fait du snowboard à moins 52. Je suis pas sûr qu'un humain aurait survécu. Ici boire. Ah ouais? Ok. Ouais, quand même un peu. Au secours! Moi j'ai entendu un insecte dans ce coin là. Ah oui, on peut faire attendre une dame. Tu sais comment Globlock c'est con, genre. Il est comme la représentation du monde sur internet quand il y a des. Genre, les gars sur internet, quand il y a une fille sur, dans un jeu, genre. Genre, il rentre dans un endroit qu'il connaît pas, il entend la voix d'une fille, il fait oh, elle a l'air belle la madame, genre. Alors, faut juste aller la voir, genre, je suis comme. Dude! Genre. Tu sais même pas si c'est une vraie personne, genre. T'as pas peur pour ta vie? Oh, un secret.
Ok. Au secours! Oh, voilà. Je l'ai trouvé. Bah, d'après prévu, on peut contrôler son orientation. Non, oh, ok, on parle pas de la même orientation, ok, c'est bon. Veuillez vous présenter à l'accueil. Moi, je parlais de l'orientation sexuelle, parce que... Ah bon? Tu peux devenir une femme? Pas de but, l'accueil n'est pas très accueillant. Bon. En fait, non. Tu deviens... Mais... Bah, y'en a qui considèrent que oui, là, parce que... Je sais que tu peux pas devenir une femme à 100%, là. Voilà. Yes. T'as le droit de devenir une femme. T'as le droit de rêver aussi. Mais t'imagines, on deviendrait assez compétent pour que les gens deviennent vraiment des femmes. Ouais, non, on parle de vraiment genre... Ouais. Quelque part c'est bien, mais je sais pas, genre... C'est... ça va être wrong un peu, là. Tu sais, genre... J'aime ça, la technologie, mais... Genre... De temps en temps, oui, là, je peux, on pourrait vivre cette expérience-là, mais constamment... Oh damn! Ouais, mais est-ce qu'il y aurait des dangers liés à ça? Parce que chaque fois qu'on voit des films là-dessus, genre... T'as tout le temps des bains de sang, genre... Je sais que ça reste des films, là. Ben, j'ai pas vu la matrice. The Godfather. C'est quoi ça déjà? Ah, le parrain. C'est quoi le synopsis? Fuck! Oui, 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 comment ça se fait que la caméra était de même, je sais même pas. Ah, c'est pas grave, genre j'ai pas montré d'unité là. Le capitaine
Ouais, c'est vrai, genre, tu t'es posé la question, fait que t'étais pas sûr. Non? Ok. Ouais, c'est pas grave. On va être honnête, je suis pas le premier qui fait ça, puis je suis pas le dernier. Il y a du monde sur YouTube qui enregistre dans tabarnak. Il enregistre des vidéos, puis il dit genre, top boxer. Moi, je vais être honnête, dès que possible, j'enlève mes culottes, là. Parce que... Ouais. Ouais, non, je sais, c'est pas le bon mot, mais... Calice. Mais genre, ouais, parce que... C'est comme serré dans mes culottes, là, genre... Pas que, genre, ils sont trop petits, là. Non, la zone de l'entrejambe est dure à gérer avec des pantalons. Ouais, des boxeurs, ouais. Ouais, est-ce que moi ce que je veux dire? Guido, tu t'as jamais ça, toi? Ok. Mais tu comprends ce que je veux dire quand genre des culottes ça essaie de t'écouiller, c'est genre pas agréable. On dirait que les pantalons ont pas été conçus pour les hommes. Non, ils sont pas trop serrés, genre. Ouais. Au secours! Qu'est-ce que ça, au secours, genre? The fuck? What's wrong with me? Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Mais... Ok, genre, je pense que... J'arrête de passer à côté de quelque chose, pis. The fuck le décor? Ouais, ça, ça a mal vieilli par contre. Oh shit, genre. Y'a des vraies caisses, mais genre. Après ça, t'as des fausses. Genre un background de. Une image de fausse caisse, ça, t'as genre. Le outer box, le skybox, c'est genre des fausses caisses, genre. Pis ils sont full pixelisés, genre. Ouais, mais de toute façon, tu regardes pas vraiment ça sous cet angle-là habituellement, genre. Genre là, c'est parce que je zoome, mais parce qu'en vrai, genre, tu vois pas ça comme ça, tu vois ça de... en 2D. Ouais, mais là, c'est en 2003 quand même. Ah, tabarnak! Ah ouais. Faut que je me mette en position été. What? Ouais. Oh, bah des fois là. Genre, je me demande genre comment les développeurs y pensent là. Et en fait, je me dis, c'est peut-être pas les développeurs le problème, c'est les compagnies qui gèrent d'ailleurs. Ben parce que eux autres, y a des investisseurs derrière, puis eux autres ils veulent faire de l'argent au détriment. En fait,
plus on peut faire moins de travail, genre, plus c'est genre plus ça peut être payant, mais c'est ce qu'on va faire, genre. Parce que, me semble que, genre, les jeux pourraient être fucking plus géniaux que ce qu'on voit. Mais parce que des fois, il y a des décisions, des décisions bureaucratiques. Genre, le jeu pense à ça d'être une merveille, là. C'est quand même bad, là. Ouais, le con, le genre, mais vraiment le con. J'arrive, mademoiselle. Le gros piège, genre. Il y a des sociétés comme Valve que les autres qui ont juste ben on fait de l'argent fait qu'on fait plus de jeu. C'est comme ok mais vous savez que genre vous avez pas à vous forcer puis genre vous feriez de l'argent en certains jeux genre en plus. Vous avez des revenus garantis à cause de Steam parce que le monde va pas genre vous boycotter parce que vous scrapez en Flame 3 là. Et voilà, niveau terminé. 57%? Ah, 1702 points pour eux. Oh shit! Ma maman a marqué ça. Yes. Bon, à star. Ça.
se roule. C'est bizarre. Non. Ok. Qu'est-ce que je fais pas de correct? Faut que je rentre dans le trou là? Non. Non. Non plus. Oh shit! Il m'a fait peur. Non! Non! Je sais à quel point je mourrais dans cette zone-là. À quoi? Raymond, je suis là! Viens me détacher! Viens me détacher, non, t'aimes ça être attaché avec le box, laisse pas. Ouais, le sang il monte au cerveau, il commence à avoir des idées de génie. Hein? Globox, parce que le sang il monte au cerveau, il commence à avoir des idées. Il commence à être lucide. Il commence à genre comprendre toutes les mathématiques, toutes les sciences. Il devient Einstein là. Genre, c'est un peu nerveux. Quand même drôle. Pour une fusée. Non.
I'm triste. Ok. Je sais pas si tu connais le feeling que j'ai en ce moment là. T'entends un bruit, mais tu trouves pas la source du bruit. Rappelez aussi que je suis nanti de 20 bonnes de formation et de 68 animations qui donnent à mon corps une mobilité fort appréciable, aussi bien en cas de coup dur que lors des moments plus intimes. Bon. L'ennemi le plus stupide de l'univers. Il s'est tué. C'est une des rares fois que je vois un ennemi dans un jeu vidéo se suicider. Mais genre littéralement, genre il s'est retourné le canon de l'arme contre lui, puis genre il a tapé sur le gun. Mais les guns sont ratchet dans ce jeu là, fait que la balle est partie tout seul. Bah oui là. Bah à cette époque là genre. Ah ouais. Non, mais en même temps genre en aucun cas tu te retournes une arme contre toi genre. C'est pour ça qu'ils disent de jamais la pointer vers quelqu'un là. Mais tu sais, littéralement, là, les guns, c'est du bois, du tape, pis de la stupidité, là. Genre, sérieux. ~93%, quand même. Niveau bonus gagné. Vous entrez dans la fonderie. Bon. C'est l'heure des Easter eggs, Charlot. Je suis dans la section où il y a un gros Easter egg au jeu que tu joues. Bah pas GTA, mais Rayman 2. Ouais, Rayman Revolution. De l'extrême susceptibilité du dieu, vous
demanderont de ne pas boire en sa présence. Et des visites pour vérifier la température intérieure. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais man. Ramen. Alors, un jeu de Ubisoft qui rame, je vois pas de quoi tu parles. C'est un euphémisme que tu dis. Oh tabarnak! Oh Steve, quoi. Qui va mourir à ce rythme-là? Ah ouais? Pas cool ça. Non! J'ai game over quand il m'a joli tué. Attends une minute.
Black quoi? Black Mesa? As-tu vraiment dit Black Mesa? La fille dans le jeu, genre j'avais jamais compris qu'il y avait une référence à Half-Life dans Rayman. Ok, c'est pas Black Mesa, c'est Black Lume ça. Parce que c'est un Lume noir, fait que c'est Black Lume ça. Et là, je suis dans la fonderie, l'endroit le plus chaud de Black Lume ça. Je sais pas, hein. Genre. Je suis pas sûr que ça soit chaud si genre il y a de la lave en fusion en tant que sol. J'espère parce que c'est des caisses en bois avec des explosifs dedans. Puis de la marde. Fait que... J'espère pas que c'est de la lave. Mais j'ai un truc que je comprends pas. Pourquoi les jeux de cette époque-là sont bourrés d'un rouge fluo de même? Ben, dans Portal, là. Genre, un, c'est du rouge partout, genre. Du rouge fluorescent comme ça, genre. Puis là, mais encore du rouge fluorescent de même, genre. Mais il me semble que c'est un rouge qu'on voit plus aujourd'hui, genre, dans les jeux. Voilà.
Ok. C'est l'heure du easter egg. Ah, j'ai pas tué dans le fond. Je me suis foiré. Faut que j'aille rendre mes chaussettes, je les ai louées, ça pue. The fuck? Ouais. Est-ce que Charlotte t'es prêt? C'est l'heure du easter egg. C'est les pirates! Les pirates de Rayman 2! Il y a Barbe Tranche là. Les pirates lambda que tu bats. Ben tu vois pas une table avec des pirates? Hein? Ben le petit c'est le chef là, c'est Barbe Tranche. T'as les rouges c'est les soldats que tu bats d'un temps à autre. Puis t'as l'espèce de robot de merde là qui se fait tout le temps péter, genre humilié là. Puis t'as les robots invincibles que t'as pas réussi, qui t'ont décalissé l'autre jour. Ouais. Je sais pas ce qu'on est censé en comprendre, mais c'est un easter egg. Oh, un Easter egg. Oh shit, je me suis fait décolisser là. Le manager de quel jeu? Ah, oh, il me fait renvoyer la joke que j'y ai faite l'autre jour. Le gars qui est salé. Oui, je parle tout seul dans mes streams. Je parle à la personne dans ma tête, genre. En plus, j'ai donné un nom à la voix dans ma tête, ça s'appelle Charlot. J'ai toujours trouvé que Charlot c'était un beau nom. Pas vrai, Charlot? les streams de la schizophrénie. Ouais.
Imagine que la personne qui me regarde à part toi, genre, elle comprend en fait que genre je suis pas schizophrène. Depuis tout ce temps, il y avait quelqu'un avec moi depuis le début. Oh shit! Hein, tu réalises que t'es la volante dans la tête de quelqu'un puis que tout ce que tu connais en fait, ben c'est l'imagination du gars. Ah ouais, ok, je suis la voix de la voix là, genre. Ah oui? Oh, oh shit! Ça serait mindfuck. Ça serait aussi rentable pour les psychologues, je pense, t'as fait mieux. Tu vois la personne fucking genre désemparée qui. Écoutez, faut que vous m'aidiez. Je pense que je suis la voix. Dans la tête à Donald Trump. N'oublie pas ton prénom. NON! Fuck! Ok mais... Je recommence tout. Le moment il m'a eu. Il m'a pogné là, pis il m'a crissé au sol, genre, comme si j'étais sa chose, j'étais sa pute. C'est pour ça qu'il a fini de faire ce qu'il avait à faire avec moi. Mais il est parti. Pour. Ok, tu veux dire qu'à chaque fois. Ah non, ce serait fou, genre. À chaque fois que tu peux. T'es mort dans ta vie, en fait. Tu t'en souviens pas. Mais. T'es mort dans une réalité. Puis tu réapparais dans une réalité 2 minutes avant. Sans t'en rendre compte. Puis. Ben, tu fais ce qu'il faut pour pas mourir. Mais tu sais pas, genre. Quand même fou. On fait de la philo, mais là, on dit de la merde, genre, ce que dire de faire de la philosophie, c'est dire de la merde. Ça a un peu de sens finalement. Un peu oui. Puis, si c'est dire de la merde, si c'est ce qu'il faut faire en philo, genre, je vais être fucking bon. Je suis bon pour dire des choses qui sont vides de sens.
Et s'il y avait pas de mort? En fait déjà genre on peut écarter tout de suite que genre après la mort on se réincarne. Parce que comment tu genre faut qu'un sens genre. Ben oui en même temps ça peut faire du sens là. Si tu te réincarnes genre shit genre quand tu y penses. Ce serait fucking en esti genre que tu te souviennes genre. Non, c'est lui. Mais en fait c'est peut-être pour ça que les bébés broient tout le temps. Mais oui mais ils arrivent pas à communiquer parce que genre ils font comme je fais quoi ici? Ah! Puis genre ils sont tellement genre ils comprennent tellement pas ce qui se passe qu'ils vivent ils développent une espèce de syndrome genre où ce qu'ils oublient tout. Puis genre ils se créent une nouvelle identité dans leur tête. Fait qu'à chaque fois personne se souvient de ce qui s'est passé dans leur famille. Non mais c'est de la marre genre. Je me fous que ça soit vrai ou non genre. Mais il y aurait quand même des actes répréhensibles avec ça là. Genre on va quand même t'écrire ça en prison là Charlot là. Ou tu peux dire que t'as tué une forme de vie, tu devrais être possible de... Une forme de vie ouais, ou tu pourrais tuer une forme de vie intelligente. Parce qu'on s'entend qu'un bébé est quand même plus intelligent qu'un animal. Hein? Bah ouais mais ton bébé ton chat a plus d'intelligence de vie qu'un bébé hein. Je veux dire, si on prend un bébé chat c'est quand même stupide. Je pense qu'on va arriver bientôt dans un niveau qui a mal vieilli de jeu. Genre vraiment genre à mon avis. Déjà quand j'y jouais je trouvais que ça avait pas de gueule. Ils avaient fait de leur mieux là. Bah c'est parce que je suis en train de repogner toutes les mêmes bonus genre parce que... Je suis pas obligé là, je pourrais directement aller voir le monstre en haut puis genre lui péter la gueule. Mais je suis allé rechercher de la vie en bas puis je suis en train de m'assurer que j'ai tout ramassé là. En fait... Ça devrait pas être chiant quand tu joues comme du monde. Est-ce que ça te va ça?
Ouais, ben, je suis pas obligé de le faire. C'est juste moi qui veux, genre, avoir un beau score. Parce que c'est vraiment pas un prérequis pour finir le jeu d'avoir un bon score par niveau, là. C'est juste moi, là, qui veut. Ouais, c'est moi qui gave. Je vais aller retourner dans les easter eggs pour chercher les... toutes les petits bonus. Bah, y a aussi le fait que, genre, avec un certain score, je pense que je peux, genre, avoir accès à un truc, là, dans le jeu, là. Je sais plus trop, là. Ce matin, j'ai commencé, genre, j'ai essayé de commencer Blade Runner 2049. Ben mes parents ils l'ont sur le Apple TV genre de louer. Ben, ça a l'air bon, mais c'est parce que le problème c'est que je devais aller dormir. Mon body a décidé que tu vas te coucher mon colis. Ok fuck. Ok, je vais être honnête là. Ça m'a toujours perturbé quand j'étais jeune. Je voyais autre chose. Ce que je montre là, c'est un bout de la machine là, qui genre, qui est bouché puis que, genre. Ouais, ok, je suis pas tout seul à avoir genre un ball sac genre qui se fait mou, qui se fait genre brosser. Je suis rassuré, je pensais que j'étais fou. C'est ça que t'es au courant, c'est ça que je trouve ça bizarre. Ok. Ah, mais c'est souvent ça, hein. Les problèmes de santé, on peut les régler, c'est juste que. Genre, le monde, il faut, ah, ben je vais toffer. Bon, en même temps, c'est pas tant grave, t'as rien besoin d'une pour pas dire. C'est pas comme un œil où genre t'es comme triste d'en avoir perdu un, là. Genre intense. Non! 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 Ok, je l'ai eu. Est-ce qu'ils vont me heal? Non. Ok, au moins j'ai fini le niveau. Genre, je veux plus rien savoir de ce niveau-là. Fuck.
Non, c'est ça? Ouais, c'est ça qui a mal vieilli à mon avis, genre. Genre, un esti de gros couloir avec plein de brouillard rouge dedans, genre. Ceux qui pensent encore que Rayman est plus évolué que moi, je poserai cette simple question. Avez-vous compté combien de fois Rayman a perdu depuis le début de la partie? En tout cas, forcément, plus qu'en ce qui me concerne, vu que je n'ai jamais connu l'échec. Conclusion. Ouais. Ouais, ouais, ben c'est... Je suis d'accord, là. Genre, dis pas que Rayman, c'est... Je dis pas que c'est genre un jeu super beau là, genre le plus beau, mais quand même beau. Non? Ok, voilà. Genre, si tu te plantes de ces plateformes-là, tu retournes au début du couloir. Et bon. C'est pas tant pire parce qu'une fois que t'es rendu au bout, t'es rendu au boss. Parce qu'en fait, j'achève la zone ici. Puis après ça, je vais me rendre dans la tour du Leptis. Moi, en fait, si je ferais un jeu, j'utiliserais pas de vidéo dans mon jeu. Je ferais toutes mes cinématiques dans mon engine. Parce que tu vois, toutes les. Genre, il y a plein de jeux parce qu'ils ont des. Des cinématiques, c'est des vidéos. Quand genre, ça commence à vieillir, tu fais comme tabarnak, ça va mal, ça vieillit vraiment mal. Parce que tu vois le drop de qualité quand tu commences à avoir du bon matériel. Genre. Ok, c'est vraiment un chien comme boss, ça, je m'en souviens maintenant. Bon, je l'ai eu. Voilà. Ça va être quoi l'ennemi là?
Ce boss là, je l'aime vraiment pas, genre il est vraiment chien. Tabarnak. Hostie, ta gueule. Si je l'ai eu, bon. Hein? Ok, je l'ai eu, fuck. Il me reste sûrement rien qu'une phase à faire. Il dure juste trop longtemps ce boss là pour vrai là. Bon, je l'ai eu. Rayman, tu t'en tireras pas comme ça, tu mourras avec l'usine. Mes frères, percez la cuve à blublut. La cuve à blublut. Fait que là, en brisant cette machine là, super spéciale, j'ai fait imploser l'usine. C'est quand même con les méchants qui font un bouton d'autodestruction pour leur QG. Fuck, ça va tomber vite. Ah! What the fuck? Ça va pas aussi vite habituellement? Fucking vite, Charlot, fuck!
Putain, c'est ce qu'ils font, ils me laissent passer. Ah! Fuck my life. On dirait que genre le script qui a modifié mon jeu pour qu'il fonctionne a accéléré cet événement là genre. Peut-être que le jeu ne devait pas rouler à 60 fps absolument. Ah. Fuck. Je l'ai eu. Oh, cinématique de l'usine qui explose. Et voilà le Leptis qui se fait invoquer. Leptis. Oh non, le Retro Time s'appelle Wario World. Ah, c'est pas grave, je le re-upload, je vais l'uploader avec le bon jeu. Non. Ah, mais fais ce que tu veux. Là, il y a deux viewers, c'est genre moi pis toi. Ouais, on est sur la tour du Leptis là. Je vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu dis? Impossible. J'ai pas quand est-ce que Prince of Persia 2 a été développé, hein? Il a sûrement été développé en même temps. Ouais.
qui ça? Non. C'est quand même drôle, genre des jeux que tu peux finir rapidement parce que le New Game Plus, il est, genre tu peux bugger le jeu, puis genre avec genre une seule New Game Plus, sinon le jeu encore plus rapidement que genre normal. Genre Skyward Sword, tu peux le finir fucking rapidement. Parce que genre quand tu pars une nouvelle partie en mode héroïque, ça prend des infos de ton ancienne partie. Puis si tu vas dans comment ça s'appelle, tu réussis à faire le bug de l'écran titre jouable, genre tu peux jouer sur l'écran titre, ben ça va tellement fuck up le jeu que genre ça va set ta partie genre en mode héroïque. Comme c'était où t'étais rendu dans ton autre partie, genre ta partie normale. Ce qui fait que ben tu peux finir le jeu en 15 minutes. Skyward Sword. En plus le jeu te donne la mobilité, te donner la Master Sword pis t'équiper en plus genre. Oh le jeu est vraiment gentil. Au secours! Ok, c'est pas par là. Non! J'ai pas signé pour ça! Qui est sérieux là? Voilà. Oh oh! Oh oh! C'est l'heure du gang rape, Charlot. Ben, il y a trois momos qui sont contre moi.
tellement un combat éprouvant que c'est ce que le jeu va faire. Il va me healer après. Et voilà. Et voilà, je me fais healer. Il y avait tellement de cossins dans cette pièce là, genre. On dirait que les programmeurs ont tout programmé dans cette pièce là, genre. Genre, j'ai jamais vu autant de trucs à faire dans une pièce, genre, dans le jeu. Mais là, ils ont juste genre. This is all the mechanics. Ils ont tout tiré genre dans le jeu. Là, tu vois, là, habituellement, il y a une canette dans une pièce. Là, il y a genre trois canettes dans. Quatre canettes. Il y a quatre canettes de pouvoir dans la même pièce, genre. Et genre, ça fait. Genre, j'ai au moins 10 minutes de combat que j'ai fait dans cette pièce-là, juste à elle seule, genre. Il y a plus d'ennemis que j'ai jamais vu dans, genre. Un niveau, genre. Il y avait autant d'ennemis que dans un niveau entier que j'ai vu du jeu, genre. Ah tu vois, y'a une cinquième canette là, genre. Genre tous les pouvoirs sont là, alors c'est vraiment bizarre. Mm-hmm.
C'est tellement mieux que genre Rayman 2 avec genre faut que tu sautes puis tu tires. Bon, par contre c'est bien quand tu te parles pas comme une couille là. J'ai manqué mon dernier, fait que là faut que je retourne chercher le power up. Mais tu vois, genre, moi, j'ai pas de problème, là, parce que je me suis habitué, là. Je me disais pas que c'est une mécanique que j'ai eu des problèmes avec. Bon, voilà, voilà. T'as entendu ce qu'il a dit? Et il faut que j'aille me faire vérifier la température intérieure. Ça me fait rire. En gros, il veut se faire mettre un thermomètre dans le cul, genre c'est quand même drôle. Ben c'est normal là. Okay. Ah parce qu'en fait quand il recule dans le temps, c'est pas dans la même dimension. C'est un univers parallèle. C'est un peu mal codé, je pense, là. Genre, Ocarina of Time, les bugs, genre, sont moins cave, genre, je trouve. Je pense que les bugs d'Ocarina of Time pour le speedrun sont mieux, je trouve. Genre, avec une bouteille, t'arrives à avoir des items, genre. Tu sais, c'est des bugs compliqués à faire. Ouais mais on parle de bug, genre ça reste un jeu. Oh c'est cool! Faut que j'aille inventer le dentifrice au chocolat! Yes!
Ben non. Cours, Rayman, cours. Ça m'empêchera pas de prendre la puissance du Leptis. Non, prends toute la puissance que t'as de besoin, je vais te décolisser. Ah, amuse-toi à faire joujou avec tes petits pouvoirs. Tu pourras pas en faire joujou longtemps. Oh! Le pouvoir de Lotus. Ah. Ouais. Et pourquoi autant de décalage? C'est genre, je comprends pas, tu sais, une plateforme comme Twitch pourrait genre avoir se doter de moyens pour rester le leader en streaming. On s'entend là-dessus, genre? Ben oui, mais là, il y a genre d'autres concurrents qui sont capables d'offrir des meilleurs services qu'eux. Ben oui, parce que Mixer offre pas une fonctionnalité fondamentale. Ouais, je vais pas télécharger mes streams, genre, c'est stupide. Si je stream, c'est justement pour pas avoir rempli mon disque dur de merde. Puis que je sais pas streamer, genre. Ouais, ben je sais pas streamer, effectivement. Puis je sais pas non plus monter des vidéos. Au secours! Ah non, cette pièce-là aussi, il y a genre un autre, il y a des secrets là. C'est pas rapport à Rayman 2 là. Autisme. Là-haut sur la montagne. Là-haut sur la montagne. Non, t'as-tu répondu depuis que... T'as-tu réécrit depuis que tu y as répondu? Parce que... Je veux dire...
Comme tu dis, c'est pretty much dead, mais... vous avez aucunement les deux mis au terme au truc. Hein? Fait qu'il y a rien de fini, en plus de toutes les deux de l'autre côté, vous avez l'air toutes les deux d'avoir la hope que ça se règle. Bah... vous avez pas exprimé ni un ni l'autre que vous vouliez arrêter ça. Tu sais, elle dit qu'elle veut faire le point, là. Qu'est-ce qu'il gosse? À mon avis, on devrait avoir deux sliders de volume sur une vidéo, là. Mais les sociétés voient pas comme ça, là. Ah, genre, Charlotte, t'es pas grammaire. Ouais, fais-nous une plateforme que, genre, ça peut lire deux flux audio sur une vidéo. Comme ça, ben on fait une concurrence à YouTube, genre, on ajoute des trucs qui font du sens. T'as un bouton, ça? Non, c'est pas un bouton. Ta soeur en vidéo. Sister vidéo. Ok, il y a quelque chose que je comprends pas. Ok, je viens de trouver le problème. Ouais. Ok, fuck. Ouais. Bon. Là, ben, je vais pouvoir exploiter ces deux portes là. Ok. Ça c'est un truc dans le jeu que j'ai jamais compris. Pourquoi cette transformation là spécifique? On la voit trois fois la cinématique. Ouais, on doit trois fois la cinématique la première fois qu'on équipe la tenue, genre parce que je l'ai déjà vu. Oh, un secret de passage.
Wait. 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 Je pense que ça y a un problème. Moi j'essaie d'aller le chercher là, mais je pense vraiment que genre y a un truc qui s'est pas passé comme du monde. Oh ouais, c'est exactement ça. Bon ben, je peux pas avoir le petit rubis vert qui est censé être disponible avec ce statut là. Le rubis s'est pas déplacé avec la statue. J'ai jamais vu ça, genre un bonus qui se déplace pas, genre. Ouais, il y a une statue dans le jeu que j'ai fait tourner. Il y a un bonus qui. J'ai vu derrière le bonus, genre, ah, oh, il s'est pas déplacé jusqu'à maintenant, ok, c'est juste une cinématique. Non, non, il s'est vraiment pas déplacé le bonus. Oh shit. Deep confession. Non, 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 non. Tu sais qu'un truc avec de l'eau qui monte, il y en a un autre qui s'en vient, Charlot. Puis qu'il risque de me décollisser. Non. Une course contre les fluides... Ben oui, mais là... Oh shit! Dit comme ça, on disait que c'est genre le concours de celui qui genre envoie son... qui fait sortir son fluide corporel le plus vite possible. Oh, t'avais pas vu ça comme ça? Ben là... C'est le seul qu'on peut faire sortir sans souffrir. Autre que la salive. Ah ouais, mais là, ça c'est un... Tu peux pas le commander, genre, faudrait que tu fasses une activité sportive quelconque, genre. Ah ouais, vite moi. La diarrhée. Ouais. Je suis pas surpris là. Vous devriez te sentir mal d'acheter du McDo pour vrai.
J'ai mangé quoi? Moi, c'est ce que j'ai fait cette nuit. Cette nuit, je me suis fait un Angus, mais dans une tortilla. Quoi? J'ai quasiment fini le jeu, là, petit gosse. Ouais, ben j'étais tout seul, c'est la nuit, fait que... Je fais steamer une tortilla, parce que les tortillas sont steamées. Puis après ça, j'ai pas mis de ketchup, là, parce que c'est un peu bizarre de mettre du ketchup sur une tortilla, je trouve. Fait que ce que j'ai fait... En plus, j'ai rajouté de quoi, parce que genre... Oh shit! Ma caméra a le genre drop de qualité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait steamer ma tortilla. J'ai rajouté de quoi aussi dans le Kalingus à pas là. Parce que c'est fucking bon mettre des patates dans un sandwich. J'ai fait chauffer une patate hachée brune. Fait chauffer l'Angus. Fait chauffer du bacon. Puis genre, après ça, dans la tortilla, je combine la viande que j'ai coupée en deux. La patate hachée brune, le fromage du Angus, le bacon, puis l'assaisonnement Angus, genre. Hein? Ben oui, mais là, genre... C'est l'équivalent de mon... C'est mon dîner, genre. Ah, je suis tout le temps mou. Ben des fois, c'est pire que ça, là. C'est genre un geyser, mais... Pourquoi je dis ça en stream? Qu'est-ce que tu me fais dire, là? Ah ouais. À quelque part, j'aurais préféré dire ça finalement. Ah ben finalement, c'est pas si pire. Le liquide il se rapproche, mais il est pas si vite que ça. Fuck my life. Ok, fuck.
Fuck my life. Je suis vraiment pas loin là. Genre peut-être 2-3 maps encore puis je vais être à la fin du jeu. Puis le boss c'est genre assez quand même quelque chose. Ça. Il y a un truc là-bas, genre qui vole, genre je sais pas c'est quoi. Oh, ça travaille pour vrai. Ok, non, c'est juste qu'il y a une chauve-souris qui se déplace dans le monde. Ok, elle rentre vraiment dans les murs. Ils se sont dit que le monde le verrait pas. T'aimes ma grosse barre de vie, Charlot? Elle est longue et remplie. Non, ça c'est le power-up que j'ai. Genre, il dure deux fois plus long. Il fait deux fois plus mal. Il m'est encore possible de griller ma barre de vie. Faut que j'aille au lit, Faut que j'aille au lit. Oh shit. Des cristaux. C'est donc bien drôle ça. Il passe au travers. Oh shit, j'ai une comprendre pourquoi. Thank you.
It's lava time. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Si, hein. J'aille trouver les mentales. Bon. ...74% de niveau de fait. Oh shit, c'est vrai ça. J'apprends un nouveau gameplay. Globot, ça va? Oh Globot, réponds-moi enfin! Oh! Avoue que t'as eu peur, hein. Le jeu se transforme en shooter. André, c'est papa et Toto, on arrive. Il y a juste Globox qui va faire André. C'est papa et tonton, on arrive. Regarde les engrenages! Incroyable! André joue déjà au mécano! Il est précoce ce petit! Hé hey Rayman! Regarde les engrenages! Va pas casser le mécano d'André, hein! Mais André joue déjà au mécano, il est précoce ce gosse! Il est vraiment, mais vraiment stupide, genre, pensez qu'il peut être enceinte, genre. Qu'est-ce qu'il est grand, l'appart d'André?
gros shit. André, tu m'entends? Il est vachement bien ton loft. Manque peut-être juste une ou deux fenêtres. Il est vachement bien ton loft. Fais attention, la navette elle est pas à moi. Mauvais dé. Tout le monde dit que t'es en train d'invoquer le Tetris. C'est pas vrai, hein, Di? Audrey Motiti, je sais que c'est rigolo, mais il faut que tu arrêtes de faire du mal aux plus petits. Y'a la bande à Teddy qui en vient! Youpi! Attention, Rumbleybox, vous avez réacteur de toucher! Titi, je sais que tu m'entends. Cesse de faire le mal, reviens du bon côté. Holy shit. Je crois que t'as trouvé le sani broyeur. J'avais oublié ça, la salle du broyeur. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'en plus, elles sont beaux. En tout cas, ça m'a l'air drôlement hygiénique, ce système. Rien que passer en travers. Faut que j'en fasse un niveau. Globot, ça va? Oh, Globot, réponds-moi enfin! Oh! Oh, mes lunettes! André, c'est papa et Toto, on arrive! Ouais ben j'ai trop je me suis fait trop décolleter dans le broyeur. Tu parles de quoi là? Mon stream? Engrenage! Incroyable! André joue déjà au mécano! Il est précoce ce petit! Waouh! Qu'est-ce qu'il est grand la part d'André! Les fêtes qu'on doit pouvoir faire là-dedans!
les fêtes qu'on va pouvoir faire là-dedans. André, tu m'entends? Il est vachement bien ton loft. Manque peut-être juste une ou deux fenêtres. Mon bébé? Tout le monde dit que t'es en train d'invoquer le Tetris. C'est pas vrai, hein, dis? Il est en train d'invoquer le Tetris. André Motiti, je sais que c'est rigolo, mais il faut que tu arrêtes de faire du mal aux plus petits. Il y a la bande de Dédé qui en vient. Youpi! André, mon titi, je sais que tu m'entends. Cesse de faire le mal, reviens du bon côté. Bon, la salle du broyeur. Je crois que t'as trouvé le sani broyeur. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'en plus, ça sent bon. En tout cas, ça m'a l'air drôlement hygiénique, ce système. Rien ne peut passer au travers. Fuck! Je pense le broyeur, pis genre, c'est fini, genre, c'est le pire. Oh, Globox, réponds-moi enfin! Oh! Maintenant que t'as eu peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, le jeu a crashé. Fait qu'on va continuer. Bon, juste à pas me foirer là, puis on va voir la fin du jeu. Globox, ça va? Oh, Globox, réponds-moi enfin! Oh! T'avoue que t'as eu peur. Oh, mes lunettes! André! C'est papa et Toto, on arrive. Allons-y à tous, monsieur dame.
est en train de gagner, tu viens de faire la fête. Regarde les engrenages! Incroyable! André joue déjà au mécano! Il est précoce ce petit! Waouh! Qu'est-ce qu'il est grand l'appart d'André! Les fêtes qu'on doit pouvoir faire là-dedans! Fais attention, la navette elle est pas à moi! André, tu m'entends? Il est vachement bien ton loft! Manque peut-être juste une ou deux fenêtres! Mon bébé! Tout le monde dit que t'es en train d'invoquer le Tetris. C'est pas vrai, hein, Dave? Audrey Motiti, je sais que c'est rigolo, mais il faut que tu arrêtes de faire du mal aux plus petits. Y'a la bande à Dédé qui en vient! Youpi! Motiti, je sais que tu m'entends. Cesse de faire le mal, reviens du bon côté. Voyager. Hein. Rayman, je crois que t'as trouvé tu joues à quoi, Colis? Moi, ce qui m'épate. Bah oui, c'est un truc de la NASA. Non, parce que genre c'est le premier objet qui est sorti, un des premiers objets qui est genre terrestre qui est sorti de notre galaxie. Système solaire. Il y a un disque doré dessus. Ouais, puis il y a un disque genre le d'or dessus là. Ça m'a l'air drôlement hygiénique ce système. Rien ne peut passer au travers. André ! André ! On est là ! Bon, j'ai réussi. Oui, Dédé. Merci de ton sceptre, je vais pouvoir me reproduire à l'infini. Oui, Dédé. Oui, Dédé. Oui, Dédé, oui, Dédé. Tu sais pas dire autre chose? Non, Dédé.
t'avais promis de t'offrir Rayman sur un plateau. Eh bien, amuse-toi. Merci, Guidédé. Oh non, je sais ce qu'il faut que je fasse. Bon. Deuxième phase du boss final. Oh, ça c'est weird quand il fait ça. Il se rentre la perle de... qui contient toute la magie, se la rentre dans le crâne.
Bon, Liv. Troisième phase maintenant. Oh, j'ai vraiment aimé ce boss là. Un boss avec plusieurs phases. Non, oh, cool. J'aime bien ce boss là, c'est un boss avec plusieurs phases. Là, je suis rendu à sa troisième forme, pis c'est pas encore sa forme finale. Ouais, j'en ai pas le boss final. Quoi ça? Ouais. Ici, bois. Tabarnak, genre, je suis redescendu complètement en bas. Genre. Tabarnak. Ça ressemble à ça en plus l'objectif. Thank you.
Et tabarnak. Toutes les plateformes ont réapparu là, genre. Fallait complètement que je me rende en bas pour que ça réapparaisse. Oh tabarnak, non. Ok, c'est vraiment de la merde ça là. Je suis obligé de redescendre complètement en bas avec le modèle, les ombres du gars qui sont buggées, genre. Quoi, c'est quoi? Quoi? Une tempête. C'est quoi cette tempête? Je sais pas trop. Oh. Il est tellement buggé ce combo là, sérieux. Chris, son nom suit. L'nom suit pas le modèle, genre son nom est stupide. Si je l'ai eu. Ah bon, si bon. Maintenant c'est un dragon, il y a des ailes. Tetris, on devrait ne peut être que là-haut. Oh.
Fait que là je me ramasse sur une autre planète. C'est un lune, ce noir, un peu turbulent. Il s'amuse à détruire le monde, mais au fond il est très gentil. Oh, ce monsieur n'a pas l'air commode. Pourtant je pose la question pour lui, hein, man. Si ça se trouve, il a capturé André, mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'en retrouver. N'aviez pas qu'à capturer André. C'est sa quatrième forme. Là, genre son fonctionnement, ce boss là, c'est que je vais le stun. Puis genre sa barre de vie va se vider. Il va avoir plein de petits ennemis, genre ça représente ses bouches de sa barre de vie. C'est comme dans Zelda, genre il y a un ennemi comme ça dans Wind Waker, genre. Genre tu veux tuer le boss plus vite, va falloir que genre quand il va se séparer plus d'ennemis possible. C'est comme ça qu'il est fait ce boss là. Mais il va se taire le demeurer. Bon, là il va se freeze. Bon.
devrait être le dernier round. Hein. C'est peut-être un des boss les plus longs que j'ai fait genre, dans le jeu vidéo. Ce qui est bien par contre, c'est quand tu fais cette, la partie que je fais là, genre, c'est considéré comme un autre niveau, fait que si je me foire, c'est pas grave, je vais recommencer là. Tandis que les autres phases avant les trois premières, faut que tu refasses le boss au complet. Ça fait mal. Libérez mon DD et on vous laissera capturer tranquille. Finalement, j'ai un long train à faire. Bon, ça y est, je l'ai battu. Non, me touchez pas. Non, non, à moi, Globox, aide-moi, j'ai peur. Non, oh non. Check comment il est sans défense là. André est sans défense. Il me reste à faire. C'est ce qu'il me reste à faire dans cet état-là. Et voilà. J'ai juste à lui faire une grimace.
Nous voilà revenus à notre point de départ. On va pouvoir finir notre nuit. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Dédé. Il me manque. Oh, tu sais, il est plus heureux maintenant. Regarde les lumes rouges comme ils ont l'air contents. Mon fils, je veux mon Dédé. Oh bah ça vaut mieux pas. Ouais, en plus je saurais pas comment faire. Faut faire peur à un lumse rouge. Oh, tu parles d'une idée? Je me demande qui peut bien s'amuser à ça. Check ça, genre qui s'amuse à faire peur à des lumps rouges. Et voilà. En gros, ce qui... En gros, pourquoi André, genre, parce que le jeu nous explique à la fin qu'est-ce qui se passe. Genre, pourquoi André, les lumes rouges viennent de où? Puis Globox nous révèle que, genre, pour que les lumes noires apparaissent, pour faire peur à un lumes rouge. Puis après ça, il dit, mais qui peut bien s'amuser à ça? Fait qu'il se réendorme, puis tu vois les mains de Rayman qui... partent et qui se sauvent et qui vont faire des ombres chinoises à un lumse rouge. Ça donne que le lumse rouge auquel ils font peur, c'est André. Fait qu'André redevient un lumse noir. Voilà le scénario du jeu. Mais la série Man aussi, c'est à la base c'est des jeux éducatifs. C'est un des jeux qui m'a parti sur le jeu, le gaming PC. Avant, je jouais pas sur PC tant vraiment. C'est vraiment le jeu qui a fait que genre, je me suis investi sur PC. Ouais, mais avant, je jouais juste que sur console. Je dirais plus ça, je pense que c'est c'est vraiment, je pense que ça fait déjà 10 ans que j'ai joué à ce jeu là. Non, j'avais joué avant ça. Je l'ai joué sur cet ordinateur là, mais j'ai joué avant ça. C'est pas mon ordi en fait. C'est l'ordi qu'on avait. Ouais, mais l'ordinateur avait 10 ans. Ça a déjà été un bon ordi, c'est ça la fois. Non, mais j'avais pas un Athlon S2. J'avais un Sempron au début dessus. Non. Ouais, mais il a déjà été vite cet ordinateur-là, je te dirais. Là. Au début de sa vie, il était rapide. Là.
Oh, mais il était sur Windows XP quand il est sorti cet ordinateur-là. Attends, je veux dire. Vista existait même pas à cette époque-là. Genre. Moi j'entends ton le chat, ouais. Ouais, sérieusement, le Dead Dimension C521 est sorti en quelle année? Ça m'intéresse. Ouais, j'ai rien checké. Ok, les autres ils parlent de 2000. Genre, les documents de cet ordinateur-là ont été créés en 2006. Les reviews de. Ah, il y a une review de CNET de cet ordinateur-là. Pourquoi tu veux que je coupe le live? Parce que genre, ça fait un bout que tu regardes plus, tu me l'as pas dit. Mais non, il me semble qu'il y a de quoi après. C'est pas juste ça, j'ai pas fini. Des mini-jeux.
J'ai oublié, c'était où le chemin? Après ça, je vais te montrer mon mini-jeu préféré. Que tu peux débloquer. C'est genre le jeu le plus romantique du jeu. Une fois qu'il niaise. Ok, on va prendre un autre. C'est Crush. Non, pas celui-là. Missile Command. Ok, en gros, ce mini-jeu, c'est le missile est amoureux de sa cible, mais il n'arrive pas à la trouver. Saurais-tu l'aider? Fait que le principe c'est de trouver un panneau dans ce truc là puis de le faire exploser. On dirait que t'aimes plus le jeu vu que maintenant tu découvres que c'est un jeu pour enfants. Ah, j'ai jamais dit que c'était un jeu genre pour adulte, c'est juste drôle. J'ai regardé mon cœur d'enfant à cause de, en partie à cause de ce jeu là, mais c'est correct. Mais tu l'avais-tu vu la cinématique de fin? T'as pas regardé? Ok. À l'époque aussi, il y avait un truc que ce jeu-là avait par rapport à d'autres jeux. C'est qu'en gros, quand tu finissais le jeu, il y avait un leaderboard pour avec le jeu. T'allais mettre ta clé puis t'inscrivais. Ça permettait de voir quel est ton score par rapport à d'autres joueurs. Moi, ce que je peux te dire, c'est que mon score est très à chier. Non, je sais, genre. Oh, c'est sûr. Mais il y a vraiment du monde qui aimait le jeu à cause de ça, genre, pour avoir le meilleur score. Parce que... Puis tu vois, ben, genre, ça reste...